bah ça tient, hein. Si Isvo était arrivé, au lieu de fermer, j'agrandissais. Oui, c'est bête. Mais pourquoi que vous avez joué à veau comme feu du ciel, monsieur Goldberg? À cause de la cote. Plus le veau est veau, plus la cote est chère. Ah bah tout de même, une cote de veau contre une boutique et vous avez eu le boucher, hein. Un dernier service, Brisset. Voici les clés de ma voiture. Déposez-la au garage Dubreuil, porte Champéret, au service des ventes. Ça ne doit pas être chez vous, sans prévenu. Bon, au revoir, monsieur Goldberg. Vous me ramenez, monsieur Brisset? Bien sûr. Il est marrant, hein? Marrant, marrant, vous prenez bien les choses, vous, hein? Oh, ben moi, vous savez, vendeuse, 20 ans, bien roulée et célibataire, je vais pas chômer longtemps. Oui, évidemment, c'est pas pareil. Non, moi, c'est pas pareil. 49 ans, comptable. Ni bien roulé, ni célibataire, c'est pas pareil du tout. Marqué pour un homme de mon âge, il y a quand même des débouchés. Oh bah oui, tout de même. Ouais. Les cornets de glace tout parfum l'été, les marrons chauds l'hiver. Condition qu'on avance la marchandise, forcément. Tu vas pas faire gaffe, non? Non, excusez-moi mon vieux, mais j'allais te mettre au chômage, alors Au chômage? Mais il se fout de ma gueule par-dessus le marché. Oh non. Au chômage, dans une bagnole à Divry avec une pute à 20 sacs le colin. Non mais tu me prends pour qui? Non mais tu veux qu'elle vienne te claquer le beignet, la pute à câlin? Et devant tout le monde, elle paumée. Bon, bon, ça va, oh là là, je préfère me barrer, tiens. Chômeur. Et tu pointes où? Au Ritz avec une pogne. Oh, y a des révolutions qui se perdent, hein. Je peux pas faire gaffe, être connard. Remarquez que joueur comme il est, Goldberg, ça pouvait pas finir autrement. Fallait s'en douter, hein. Va falloir que j'annonce la nouvelle à ma femme. Sans parler des Baléares. Vous allez aux Baléares? On y allait. Ah. Ah, t'es là? J'ai une nouvelle un peu embêtante à t'apprendre. Remarque, les Baléares, à ce qu'on m'a dit, il pleut un été sur deux. Alors, comme il a fait beau l'année dernière, il n'y a rien à regretter. Hein? Non, si je te dis ça, c'est parce que... Figure-toi, ce débile de Goldberg, en plus du poker et de la roulette, il s'est mis à jouer aux courses. Et rien que des tocards. De veau en veau. Il a perdu la boutique et moi j'ai perdu ma place. C'est tout l'effet que ça te fait? Enfin, Antoine, tu pourrais me dire bonsoir. Ça te plaît? T'en fais une tête, qu'est-ce qui se passe? Demande au chat, je viens de lui raconter. Oui? C'est Morissette, je vous dérange? Ah, Morissette, mais non, montez. Morissette, à l'heure du dîner, c'est bizarre. Il est peut-être aussi arrivé quelque chose à ton frère. Ou au gosse. Décidément, c'est le jour. Au gosse, c'est possible. Mais à Loulou, à part se casser un bras en abattant sa rebelote chez Gégène, on voit pas très bien ce qui pourrait lui arriver. Oh, arrête Loulou, tu m'étourdis. Coupe. D'abord, comment vont les enfants? Très bien. On attend aujourd'hui ou demain les résultats des examens de Catherine et Bernard. Catherine pour son bac et Bernard pour sa maîtrise d'histoire. Ils seront reçus. Oh, oui, ils travaillent bien. Mais le problème, et c'est pour ça que je me suis permis de venir, d'abord, Bernard va avoir 20 ans dans un mois. Alors au lieu de 4, on ne touchera plus les allocations que pour 3. Ensuite, si Catherine et Bernard sont reçus, ils continuent, bien entendu. Conclusion, il faut que Loulou travaille. Enfin, je veux dire qu'il travaille pour de bon. Ah, Loulou, finis ça et rentre. Ton frère a perdu sa place. Quoi? Aux courses. Antoine aux courses, ça m'étonnerait. Déjà qu'il hésite à miser un haricot au nain jaune. Bon, bah les gars, faut que j'aille voir ça. Salut le mec. Salut Loulou. Salut Loulou. Et pensez à ma tondeuse. Demain. Gégène, je vais te payer hier et avant-hier. C'est mis autant de temps à réparer ta tondeuse qu'il en a mis à réparer mon réveil. Tu vas savoir ce que c'est que d'habiter en brousse. Les voyageurs pour Barcelone en voiture. Salut Gégène. Salut. Hé, Lolo, je te dépose. Si tu veux, mais tu m'arrêtes avant les arènes, hein.
même pas la route avec ça. Comment que tu peux savoir si t'écrases quelqu'un? Bah, à l'arrivée. Ah oui, les journaux? Bah non, la vidange. Ah. Merci, bonne route. Et à la semaine prochaine. Sa tondeuse. Oh. Ah, Bernard, alors t'as des résultats? Non, quand je suis passé à la fac, rien n'était encore affiché. Mais pourquoi que t'as pas attendu? Parce que j'avais des bouquins à les acheter. Des bouquins. Et qu'est-ce que t'en feras de tes bouquins si t'es pas reçu? Pourquoi je serais pas reçu? J'ai jamais raté un examen. Je sais. Mais je m'inquiète quand même. Ah, au fait, je t'ai pas demandé. Vous êtes combien à vous présenter? 300 à peu près. Et il y a combien de places à prendre? 11. Ah bon. Alors? Bah, encore rien. Et Brigitte est restée à la fac, elle passera si elle sait quelque chose. Même si elle sait rien. Ouais. Et toi? Pas toujours rien, c'est pour demain. Qu'est-ce que j'ai peur? Pourquoi? Tu passes comme une lettre à la poste. Oh, tu crois? Bah, c'est sûr. Alors? T'as toujours rien. Il doit être dans un état, Antoine. Lui qui est déjà inquiet quand tout va bien. Au fait, Mauricelle, qu'est-ce que t'allais faire chez Antoine? Je suis descendue à Paris pour les robes des petites. C'est Brigitte. Alors? Merci, tu venais de partir. Papa, il a reçu. Oui, mais il a sauté dans les fleurs. Oh, mais un jour pareil. Fous-moi la paix, toi. Et puis si t'es reçu, tu vas voir tes fesses. J'ai plus faim, tiens. Demain, j'aurai juste le temps de venir te faire cuire ton beefsteak. J'ai 30 piqûres à faire dans la journée et pas une dans le même coin. Si tu ne trouves pas de travail ces jours-ci, ton beau fusil, mon pauvre Antoine, il va falloir t'en séparer. Quoi? Enfin, Antoine, tu vas pas faire passer le fusil avant l'appartement, non? Qu'est-ce? Vendre le fusil? Oh, tu rêves? Et si on perd l'appartement, on habitera où? Dans le fusil? Alors, Lulu, déjà levé? Je vais à l'embauche. À l'embauche? Ouais. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que les mômes, c'est des ingrats. Alors comment ça s'est passé ce matin à l'embauche? Mal. Viens m'aider. Ouvre-moi ça. Et pourquoi n'irais-tu pas travailler avec mon frère? Avec Albert? À l'agence Lombard? Oui, je lui ai téléphoné. Il est d'accord et même il t'attend. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi, chez Albert? Je connais rien à son truc, moi. Il t'apprendra. Comme ça, tu gardes ton fusil, ton appartement et en plus, tu seras à l'air. Alors, l'embauche? Je suis recalé. Alors, on est sur le sable, Nadine Mafragé? Voilà. Bonjour, Albert. Madame? C'est mademoiselle. Oh, pardon. Madeleine est là seulement depuis un mois. Tu te rappelles de mademoiselle Bine, la vieille? Vaguement. J'ai 72 ans, je l'ai mise à la retraite. Elle tapait à côté des tous. J'ai pris plus jeune. Le mari de ma sœur, il vient de perdre sa place. Non, à propos, rien au casier. Hein? Non, je veux dire, vol, viol, escroquerie, meurtre. Oh, mais non, mais dis... Parfait. Bon, on commence tout de suite. Je vais sur un coup, tu vas venir avec moi. Et pendant que tu me racontes, tu t'entraînes. Non. Tu reviens dans une heure. Viens, monsieur. Pensez de t'aider.
Ah, j'ai mes deux employés qui se sont fait emplafonner à Bruxelles. Un Anglais qui roulait à gauche, un mois d'ostou pour les trois, alors tu tombes bien. Ça te dépanne, et moi ça me dépanne. Et puis tu vas voir, alors. Les filatures, c'est court comme la lune. Heureusement, j'ai pu au moins rapatrier la voiture. Ah oui, ça aurait été dommage de laisser ça en Belgique. Tire, prendre le loulou l'agence, t'as jamais. Mais pour filer le train de gonzesse, qu'est-ce que j'ai à foutre qu'il soit à droite de ses mains, ça se le demande. C'est pour les gosses et Morissette. Qu'est-ce que tu peux bien te piquer dans une pharmacie? N'importe quoi, une brosse à dents, un paquet de bonbons. Ouais, cinglé, hein? Exactement, une kleptomane, la petite fille d'un sénateur. Alors tous les matins, le mari nous ramène à l'agence qu'elle a chipé la veille, et nous on le rapporte. Tous les matins, mais ça dure depuis combien de temps? Ah non, il y a des boutiques qu'on a déjà fait trois fois. Bon, ben, d'accord pour Loulou. Je lui téléphonerai tout à l'heure de l'agence, qui se pointe demain matin à 9h. Moi, je garde la kleptomane et puis je vous mets tous les deux sur un coup facile. La surveillance d'un baltrap, c'est... Ah, bah, t'as eu du pot. Du pot? Tu me vois ramener ça demain matin? Bah, oui, justement. Dans le même rayon, il pouvait aussi bien piquer un motoculteur. Loulou, ton frère. Allô, Antoine? C'est Loulou, qu'est-ce qui se passe? Du coin? Travail! Du travail! Oh, bah ça, il connaît pas. Ah bon? Tu te pointes demain matin à 9h. Bah d'accord. Merci quand même. Un ennui? Ah. Mais grave, grave. Je commence demain. Oh, Loulou! Catherine est reçue. Monsieur Brisset, monsieur Dussautoir, propriétaire du Baltrap de Choigny, un des mieux fréquentés de France. Vous n'avez pas autre chose? Mais non, je peux pas. Bon, enfin. Alors voilà, on vole dans mes vestiaires. Vous devrez donc surveiller les allées et venues du personnel, cuisine, armurerie, tir, etc. Et contentez-vous de me signaler le coupable. Je ne veux pas de scandale au club. Compris? Non, non, rien à craindre. Là, je vous donne mes deux meilleurs limiers. Pas vrai, les gars? Alors, allons-y, vous me suivrez dans votre voiture. Monsieur ne va pas rouler comme un fou. Dis donc, tu vas très bien aller, des armes à feu. C'est pas une formule, hein? Bon ben, je peux vous garer côté cuisine. Pousse! Ben tire, toi! C'est à moi que vous en avez? Non, non, c'est pas à vous, c'est à la voiture qui est derrière. Quelle voiture? La voiture qui... Oh. Alors?
Elle est passée. Alors ? Ça vient ? Ici, la... Bon, alors, ici, les cuisines. Là, les vestiaires. Et à gauche, l'armurerie. L'autre côté là-bas, le restaurant, le bar, les salons. Mais vous n'avez pas à traîner par là, hein ? N'oubliez pas les consignes. Bon. Allons, allons, pressons. Je vous paye pas pour jouer. On joue pas, monsieur. À ce jeu-là, tu perdras 1 million avant la fin de la journée. Je te le reprendrai demain au golf. Non, non. Demain au golf, à 100 000 francs le trou, tu perdras 1 800 000 francs de plus. Merci, mon cher Duc. Marc. Doublé. Mais c'est des sicas. Excusez-moi. Vous permettez, monsieur ? Je vous en prie. Pardon. Merci infiniment. Mais je vais tout de même en toucher un mot à l'armurier. C'est surtout la cartoucherie que vous devriez dire un mot. Une arme comme celle-ci ne peut pas s'enrayer. C'est vrai. Pas plus que ne devait s'enrayer le chassepot 1866-68 que vous avez acquis le mois dernier. C'est un chef-d'œuvre pour l'époque. Vous êtes au courant ? Je connais chacune des pièces de votre collection. Vraiment ? Ah, unique au monde. Ah, ça... Mais par contre, j'ai été surpris de lire que vous vous intéressiez au chassepot 99. Ben oui, pourquoi ? Parce que c'est pas le modèle retenu par l'armée à cette époque-là. Contrairement à ce que tout le monde croit. Vous en êtes sûr ? Certain. Le modèle retenu avait la bague légèrement avancée sur le canon. Permettez, cette arme est un peu lourde, mais j'aimerais poursuivre cette conversation. Puis-je vous offrir un verre au bar ? Un verre, Non, mais je vous en prie, c'est si rare de rencontrer un connaisseur. Oui, mais vite alors, parce qu'il y a le patron, il y a le... J'attends quelqu'un, alors... Bien sûr. Donc, sans le modèle 99, la bague... Paul ! Le vieux, c'est Dessica, 3 fois en assise, tu connais ? Oui, le comte aussi. Mais l'autre, qui est-ce ? Je connais pas. De toute façon, un ami de Dessica, c'est ni un chômeur, ni un condamné de droit commun. Mes hommages. Oh, c'est rigolo, ça. Chose, hein.
Le chômage, on exagère beaucoup. Quant aux importations, c'est une véritable catastrophe. Certes. Import-export. Vous devez souffrir. Oh. C'est pour qui, ça? Pour monsieur le comte. Par celui-là. Pardonnez-moi, monsieur de Sica. Vous aussi, monsieur le comte, mais j'ai eu une communication extrêmement importante à faire à monsieur. Je vous en prie. Pensez-vous que les milliardaires avec qui vous papotez fassent les poches dans les vestiaires? Moi non plus. Alors, allez plutôt renifler côté cuisine. Je ne vous paye pas pour pérorer dans mon bar. Et ne traînez plus par ici. Mon cher Brisset, je dois partir. Mais j'aimerais que vous voyiez cette arme avant que l'affaire ne soit conclue. Êtes-vous libre demain ou en début de matinée? Certainement. Non, j'avais un rendez-vous avec monsieur, mais je peux très bien différer. Très bien. Demain matin, chez moi, à 9h30. Vous me rendrez un immense service. Du sautoir! Voulez-vous dire à l'armurier de mieux surveiller les livraisons de cartouches? Pour l'ami Brisset et moi, ne lui pardonnerons plus. À demain. Ça suffit, vous, hein? Je ne vous paye pas pour ça. Je vais même vous dire une chose. Dites-moi, mon cher, puis-je vous parler deux minutes? Mais certainement! Dites-moi deux. Dans l'import-export, vous connaissez forcément Nadar. Oh, Nadar. Bien. D'ailleurs, puisque vous êtes chez Dessica demain matin, parlez-lui bien, il l'estime beaucoup. Comme il semble vous estimer aussi beaucoup du reste. Oh. Allons. Et peut-être ensuite accompagnerez-vous Dessica au golf. C'est son jour demain. Demain? Ah non, j'ai ma filature. Filature? Dites-moi, vous touchez à tout, hein? Mais tout de même, tâchez de venir, Nadar y sera aussi, j'arrangerai ça, et si vous arrivez à vous entendre avec lui, mon cher, je vous laisse. Faites l'impossible, hein? Nadar m'a rendu un immense service, et je renvoie toujours l'ascenseur. Flaubert, l'étoile et moi, vous connaissez? L'étoile? Ah oui, sûr. À demain. Vous connaissez ces messieurs? Pas du tout. Bravo, vous plaisez. Et maintenant, cuisine. Oui. Prêt, compte? Ok, dis. Petite dope, Duc? Bah non, mon banquier a pris sa veste. Ah oh ben. Et c'est Dossica qui t'a demandé d'aller chez lui ce matin. Voilà. Et comme du surtout a pas osé dire non, moi j'ai dit oui. Bon ben, vas-y. Et toi tu fonces au Baltrap aussitôt après avoir déposé Antoine chez Dossica. Puis toi, dès que t'es libre, bah, tu rejoins nous. De toute façon, avec Dossica, on ne sait jamais. Hein. Il parade du pognon, il est en tête avec Getty et la reine d'Angleterre. Ça peut servir. Et même s'il te demande d'aller au golf avec lui, accepte. Et puisque t'as commencé, reste donc dans l'import-export. C'est flou et ça mange pas de pain. Arrête-moi là, hein. Mais on n'y est pas. C'est plus loin chez Dessica. Mais si on me voit sortir de là-dedans, j'aurais l'air d'exporter quoi? Du mouron? Ah, dis donc, si je pique le voleur sur le fait, qu'est-ce que je dis? Oh, les mains? Pour les mains, faut un revolver. Et j'en ai pas. Ben, si t'en as pas, c'est bas les pattes. Et si lui en a un, c'est au secours. Mais comment êtes-vous en possession de ces gravures? Par mon arrière-grand-père qui était armurier. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Wheeler a le diamant brut, monsieur, au prix convenu. Eh bien, achetez. Le diamant intéresse Monsieur Trill, monsieur, au prix convenu. Eh bien, vendez. Bien, monsieur. Une affaire qui me laisse 300 millions, c'est amusant, non? Oui, 300 millions, c'est amusant, oui. Mais vous-même, dans l'import-export, vous devez faire aussi de gros écarts. Forcément, acheter, vendez... Ça, c'est un...
C'est un fétiche. Mes débuts. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à moi, monsieur. Ah oui. Né le 4 janvier 1920. 54 ans. Bravo, tu les fais pas. Comment tu t'appelles? Pourquoi t'as fait ça? C'est parce que maman est très malade, monsieur, et mon petit frère, il va pas bien non plus. Oh non, arrête, ça va, hein, je connais. Mais qu'est-ce que t'en fais de cet argent? C'est pour parier, monsieur. Parier? Tu joues aux courses? Oh non, monsieur, c'est pour parier comme le comte et puis le duc, monsieur. Parier sur quoi? Eh ben, au tir aux pigeons dans la cuisine. Il y a un comte et un duc qui viennent tirer des pigeons dans la cuisine. Pas eux, monsieur. Nous. Je comprends pas. Fais-moi voir ça. Brisset m'accompagne. Mais certainement, monsieur Dessica. Monsieur Brisset voudra peut-être un cadet. Non, non, nous ne jouons pas. Nous accompagnerons Beaufort et mon neveu en bavardant. Très bien. Bonne journée, messieurs. Ma secrétaire devra téléphoner. Non, mais certainement. À votre disposition. Puis-je vous demander de m'attendre sur la terrasse? Un mot à dire à notre cher président. Et vous-même. Oh, Brisset. C'est le comte. Madame Chambaud-Ladru. Madame. Mon ami, le duc de Flaine. Monsieur Nadar. Ah. Nous nous verrons tout à l'heure. Hein. Mmh. Alors, Beaufort, cette course, vous venez de Mauconia. Ah, je pars ce soir pour Portsmouth, m'installer à bord, et dans 3 jours, départ pour Barcelone. Savez-vous que l'an dernier, à la suite d'un pari, le comte a relié Calvi à Cannes sur un vaurien? Oui. Et avec un vent debout, force 7. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais enfin, vous vous rendez compte, vent debout, force 7. Oui, en plus, ça souffle. Il a plu. Je crois que nous allons avoir des problèmes avec les tondeuses. Je l'ai remis, monsieur. Bon, ça va, mais recommence pas, hein. Prêt? Peu! Raté. Qui te doux, monsieur? D'accord, mais c'est la dernière, hein. Prêt? Peu! Poule! Mais tu l'envoies ta soucoupe, oui? Oh, où doit-on vous déposer? Porte de Champer. Non, pas à mes bureaux. Non, chez moi, à Neuilly. Neuilly? Boulevard du Château. À quelle hauteur? 22. Thank you.
Enfin, qu'est-ce que c'est, monsieur? Sinon, j'ai un... qui est devant le 22. Alors, il m'a... C'était une farce. Alors, il a humilié. Il est toujours là. Oh, vous avez une réception ici? Oui, monsieur, oui. Vous êtes invité? Non, pas du tout. Alors, oui. Monsieur, hein, je vous en prie. Oui, non, c'est normal. Ça a mis une réception. Je m'en vais. Vous n'avez pas un frère dentiste, vous? Oh non, monsieur, non. C'est impressionnant, ça serait peut-être le... Qu'est-ce que c'est? Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Oui, monsieur, oui, mais... C'est ça, d'accord. Merci. Je t'ai pas envoyé là-bas pour faire des conneries. C'est quand même moi qui ai trouvé le coupable, non? C'est pas une raison pour foutre le feu. Ça a pas brûlé, ça a grésillé. Et si pour commencer, je compte de bon phare avait pas donné de mauvais exemple aux gosses en jouant de l'argent, eh ben il serait rien passé du tout. Bah tout de même pas demandé au comte d'aller casser des assiettes dans sa cave pour pas traumatiser les plongeurs, non? Foutrais tout ça dans une mine de sel, moi. Dis donc. T'es gauchiste? Gauchiste, moi? Tu sais ce que c'est pour moi, Mao? Un simple. Un tiède. Bonsoir tout le monde. Salut. Ça va? Très bien, ton frère vient d'arrêter le coupable. C'est pas vrai. Si, ensuite il a mis le feu, il est rentré. Ça va toi? Ben moi, j'ai fait la connaissance d'un monsieur Nadar, un ami de monsieur Dessica. Et avec ce monsieur Nadar, si on se débrouille bien, il y a 120 millions à gagner. Bon, écoutez les Moïse, je n'ai rien contre votre famille, mais je... Attends. Alors, il suffirait de trouver 300 tonnes de... Attends, je vais marquer le nom à tout hasard. De malachite sulfate CI 42 000. Ils l'ont beurré. Le 12 août à midi, un bateau affrété par M. Nadar quitte le Havre pour le Brésil. Et M. Nadar lâchera 120 millions à qui lui amènera le produit avant le départ du bateau. 120 millions de pourboires pour 300 tonnes, ça doit être un produit rare. Des oursins. Des truffes? Des oursins truffés. Le malachite sulfate CI 42 000 est un produit de base pour colorant. Ça vaut 10 000 francs le kilo, soit 10 millions la tonne, soit 3 milliards les 300 tonnes. Et 120 millions de commissions sur une camelote de 3 milliards, ça fait jamais 4%, ce qui est tout à fait normal. Non mais tu déconnes ou quoi? Pas du tout. Le malachite vient de Roumanie, exclusivement ou presque. Et la Roumanie a décidé brusquement de cesser ses exportations. Tiens. Ce qui provoque, comme qui dirait, une ruée sur le malachite, qui devient introuvable, enfin presque, parce que il y a forcément des stocks quelque part, en France ou ailleurs. Alors, on sait jamais. Peut-être qu'avec un peu de chance, en cherchant bien, 120 millions, hein. Avant le 12 août, tu dis? À midi. L'ennui, c'est que Nadar a pas dû en parler qu'à moi. Laisse. On est de combien? Le 3. Le 3. Messieurs, c'est parti! Rêvez pas, les mecs. Trouver 300 tonnes de quoi que ce soit en 9 jours, voyage compris, c'est impossible. Impossible? Pas français! Mal, malabar, malachite, M-A-L-A-C-H-I-T-E. Alors, c'est carbonate basique naturelle de cuivre. Pierre d'un beau vert vif. Elle va nous sauter aux yeux. Eh ben moi, je vous dis que si on en trouve, ça nous profitera pas. Comment ça nous profitera pas? Parce que bien malachite ne profite jamais. En tout cas, si ça se fait, faudra d'abord verser les 4 millions qu'on doit encore sur l'appartement. De ce côté-là, au moins, on sera tranquille. Et avec les 36 millions qui resteront... Ah, attention. Une, faut d'abord trouver la malachite. Deux, faut pas qu'elle soit trop loin parce qu'elle serait pas livrée à temps. C'est tout de même pas une heure près. Bah si, justement. Et le bateau devait partir le 10, Nadar a pu le retenir jusqu'au 12, à midi, mais pas une heure de plus. C'est le quart de quoi qui vient de sonner? 3 heures. Et tu la mettrais où, ton usine? Dans le bas du jardin, qu'a tout sa machine,
Je mets trois ouvriers dessus et on fait de la mécanique générale. Bon, ben d'accord. Puis moi, demain matin, j'irai voir si Madame Chauvel vend toujours sa laverie pressing. Tu sais, devant chez Gégène. 3h15. Maintenant, avec l'argent qui restera, le mieux, à mon avis, c'est l'immobilier. On achète un studio et on le loue. Hein? Pourquoi? Faut en acheter deux. Et avec l'argent des loyers, on en achètera d'autres. Plus on en a, plus ça rapporte, forcément. Bah oui, bon, la boule de neige, quoi. Allô, Madeleine? Oh, monsieur Albert, qu'est-ce qui ne va pas? Il est 3h30. Ben, je sais pas ce que j'ai, je peux pas dormir. Je m'en doutais. C'est la malachite, monsieur Albert. Ça vous travaille, il vous faudra un bon tilleul. Bah ben, oui, mais justement, j'en ai pas de tilleul. Mais je peux vous en préparer, monsieur Albert. Je le mets dans mon thermo et je suis chez vous dans 20 minutes. C'est qu'il faut que vous soyez en forme demain pour la malachite. Ben, je pense bien. Et vous croyez que je trouverai plus facilement de la malachite en buvant du tilleul? Ça, c'est sûr, monsieur Albert. Bon, ben alors, double dose et bourrez le thermo. Ça, le tilleul, ça va me faire du bien, ça. Alors, seulement le tilleul. Ah, vous allez où comme ça? Bah, dans la forêt de Rambouillet. Bernard, tu sais que ton père t'a dit de chercher du malachite, comme tout le monde. Mais pas. Du malachite dans la forêt de Rambouillet. Il charge. Vachement. Allô, les établissements Bûche? Bonjour monsieur, dites-moi, savez-vous où je pourrais me procurer de la malachite sulfate CI 42000? Oui. Oui, en Roumanie. Ah, elle n'explore plus, oui, en effet, je suis au courant. Ah, insensé, oui. Donc vous ne savez pas où je peux me... Bon, merci, au revoir monsieur. Allô? La maison Floudet. Dites-moi, monsieur, savez-vous où je pourrais me procurer... Excusez-moi, je suis nerveuse ce matin. Mais ça n'est pas grave, allez. Mais le fait est que vous avez eu la main lourde, mon mari qui ne sent jamais rien d'habitude. Demandez-lui quand même pour le malachite. Oui, oui, j'y en parlerai. Dès qu'il aura repris connaissance. Établissement Brugeois, dites-moi, savez-vous où je peux me procurer de la malachite sulfate CI 42000? Malachite sulfate CI 42000. Oui, j'attends. Je suis désolé, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'agence est fermée pour une dizaine de jours, hein? Peut-être définitivement, hein? Alors oui, et puis, si votre femme vous trompe depuis 3 mois, hein, ça peut bien attendre une semaine, non? Alors vous revenez le 14, quand vous ferez de très jolies photos du couple, hein? Madeleine, accompagnez monsieur. Oui? Allô? Oui? Ah, oui, je sais, la Roumanie, oui. Monsieur! Monsieur! Oh monsieur, vous savez pas où est la sortie? Non. C'est moi qui vous ai téléphoné. Vous en avez vraiment 300 tonnes? Oui, oui. Mais vous arrivez juste, hein? Formidable. Faites-moi voir ça. Allez voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Malachite. Quoi, malachite? Au téléphone, j'ai dit malachite. Malachite? Carbonate basique naturel. Un colorant. J'ai du mal comprendre, alors. Ça doit être ça, oui. Désolé. Remarquez si c'est du colorant noir que vous cherchez, le cirage. Non.
vert vif. Ah non, ça va. Cirage vert vif. Est exceptionnel. Pendant les jours pro Citroën, profitez de 4000 euros hors taxes de remise sur Jumper. Notre secret pour boire une eau délicieuse à la maison, c'est la carafe filtrante Brita. Elle est esthétique et maligne. Brita filtre le tartre, le chlore, le pu et respecte l'environnement. Brita, ma source à la maison. Je pense, pour votre malachite. J'ai une voisine qui travaille à l'ambassade de Roumanie, Madame Barescu. Pourquoi votre mari n'irait pas la voir? Je ne sais pas exactement ce qu'elle y fait, mais qu'est-ce qu'il risque? Mais je pense bien. Il ira dès demain matin. Je vais vous écrire son nom. Madame Barescu. Madame Barescu. Merci beaucoup. Bah, c'est la moindre des choses, dites. Madame Barescu. T'énerve pas, je vais te tirer sur la manette. Là, vas-y, allez. Fais-nous discret si c'est pas de la merde. Je peux pas sortir, dis-nous. Pourquoi? Les sièges sont bloqués. Mais j'étais pas bloqué tout à l'heure. Mais ils sont bloqués. Mais fais-le, laisse-toi là, aide-toi, parce que t'es lourd. Aide-toi là, là, on va finir par se faire remarquer. Discrètement, on a pas l'air d'un de mal. Il y a des gens qui regardent. Allez, tout. Bonjour monsieur, nous voudrions parler à Madame Barescu, s'il vous plaît. Madame Barescu? Oui. Un très woman, caradores, morbe asca damna Barescu. La recibo. Excellencia. C'est bien Madame Barescu, vous voulez voir? Oui, c'est ça, c'est Barescu. D'accord, et très de verre que damna Barescu. Spune le calme, vieux andata. On sert la carte d'identité. Bien, bon. Voulez-vous préparer vos cartes d'identité? On vient tout de suite. À chaque homme spoon française, les carottes sont cuites, Duana Barescu. Si tu es très complice, nous tous. Non, nous les vadas. Acceste à son uomo, ni care d'oresca, svolbe asca damne Barescu. Désignons. Par ici. On voit chez vous, on n'attend pas, hein. Jeanne, son excellence l'ambassadeur de Roumanie va vous recevoir tout de suite. L'ambassadeur? Oh, c'est pas la peine de le déranger pour ça, on veut seulement voir Madame Barescu. Mais justement, montez. Tu vois, toi qui dis toujours que dans les pays de l'Est, c'est rien que des... Pas la Roumanie! Ah! Asseyez-vous, je reviens. Moi, ce que je me demande, c'est où qu'ils sont allés chercher tout cet argent-là. C'est quand même pas clair que jusqu'ici, je joignais juste les deux bouts et que ce matin, elle a signé ferme pour les trois studios duo. Merci. Dix heures et demie. Il faudrait pas attendre ici Mme Barescu pendant des plombes, parce que le nadar... D'accord, mais Mme Barescu, elle devait déjà avoir les rendez-vous avant nous. Et surtout, au prix où est la malachite. Si c'est elle qui s'en occupe, elle doit avoir un poste vraiment important. Oui, oui. Ça doit être une sorte d'attaché, quoi. Et d'où que ça leur tombe, ça? Je sais pas. En tout cas, lui, il veut faire construire une usine en bas de son potager. Et elle? Elle est allée chez le notaire, il a mis un brissou pour lui acheter sa laverie. Les murs et tout. Depuis 5 ans qu'elle cherche la brissou. Pensez qu'elle n'a pas laissé traîner. Bien sûr. Merci. Voilà, je suis à vous. Alors c'est pourquoi? C'est pour une enquête? Oui, il m'arrive une chose. Oh, ça, monsieur, nous ne faisons plus. Nous sommes à présent dans l'import-export. Je regrette. Ah, dans l'import-export.
Depuis longtemps? Depuis 3 jours. Des milliards et des milliards, alors pensez. Bien sûr, excusez-moi. Voilà, thé, petit four. Petit four, il est quand même 5 heures. Oui, je sais, monsieur, je sais. Madame Baresco vient de téléphoner qu'elle arrivait. Ben oui, mais Madame Baresco téléphone ça toutes les 20 minutes. Si elle n'arrive pas avec la malaquite, qu'est-ce qu'on devient, nous? Son Excellence l'ambassadeur tient beaucoup à ce que vous ne manquiez de rien et vous prie de ne pas vous impatienter. Excusez-moi, messieurs. Moi, je vous préviens, hein, si on doit passer la nuit ici, je dors côté mur. Alors, ils sont rentrés? Non. Mais qu'ils ne soient pas encore là, c'est bon signe. Sûrement. Moi, j'ai téléphoné à l'ambassade vers midi pour savoir. Et c'est un monsieur très gentil qui m'a répondu qu'on s'occupait d'eux. Mais que ça risquait d'être un peu long. C'est normal. Donc, vous voyez, c'est fait. Bien pour les radiateurs. À cette heure-ci? Mais dans 5 minutes, il n'y aura plus personne. Bah oui, c'était exprès pour pas déranger. C'est dans le bureau de Madame Baresco qu'il y en a un qui fuit, est-ce que nous a dit le patron? Madame Baresco? Oui. Une seconde, s'il vous plaît. Entra. Excellenza, sunt uomini joscare forza se duca in birol d'Annei Baresco. Esti sicuro? Bene, bene. Vai libera per girare la tour. Monsieur, j'ai des explications à vous donner et des excuses à vous faire. Vous savez la lettre du pressing? En face de chez GG? Oui, eh bien j'ai signé ce matin. Et devant le notaire. Sans argent, sans dépôt, sans rien. Oh, c'est drôle. Moi aussi. Vous avez acheté une lavrie précise? Oui, non. Il restait 3 studios au dernier étage. J'ai acheté comme vous, sans rien verser, seulement la signature. Pensez, ils ont tellement de mal à vendre. Mais comment? C'était le moment ou jamais. Convenez, messieurs, que la coïncidence justifiait des vérifications. Encore une fois, excusez-nous. La Roumanie est une grande amie de la France. Elle nous coûte 120 millions, l'amitié de la Roumanie. C'était notre seule chance aujourd'hui de trouver de la malachite. Mais maintenant, c'est foutu. Puis c'était pas une raison pour nous enfermer. Oui, je vais vous ouvrir immédiatement. Pas la peine. Comment pas la peine? Et ça va que la France est une grande amie de la Roumanie. Sans ça, l'ambassade... Alors, rien. Comment, rien? Un point de malaquite, terminé, on range. Tu sais ce qu'elle est, Mme Baresco? Non. Espionne. À 5 minutes près, on finit ses fusillés. Mais les studios? Et la laverie de Morissette? Oubliez-les. Mais faut chercher encore, on peut pas abandonner comme ça! Il reste 5 jours, et il n'y a pas 100 grammes de malaquite en France, alors? Eh ben, faites pas cette tête-là. C'est quand même moins grave qu'une jambe cassée, non? Bien sûr. Mais c'est qu'on est déçus, quoi. Impossible par français. Tu parles. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. De toute façon, comme on n'a rien changé à notre train de vie, on tombe pas de bien haut. À notre place, il y en a qui auraient déjà claqué le fric. Faut être drôlement con pour faire ça. Non, pas de malaquite, des millions de traites à payer, hein, quand vous voyez le tableau. Ah, si on voit. La rue, les moments loques. Et encore, la rue. Après? Après quoi? Après 50 tôles. Bon, vous voulez boire quelque chose? Dites donc, c'est fort, ça. Après la piqûre, vous devriez rentrer chez vous pour vous reposer. Me reposer avec un client qui vient de se faire foutre en prison et qui me laisse 300 tasses de camelotes sur les quais de Barcelone dont je sais pas comment me débarrasser. Justement, s'il est en prison et à Barcelone, ça vous laisse du temps. Ça me laisse surtout 300 tonnes de malachite sulfate CI 42000 sur les bras. Thank you.
tout en règle. J'ai fait expédier le téléx à M. Nanar comme vous l'avez demandé. Le bateau transporteur s'appelle le Sandova. Il est docké numéro 8. Chargement demain matin à partir de 6h, arrivé au Havre et le 12 août à l'aube. Merci, monsieur. Pardon. Si, non, il est. Qu'est-ce qu'il a dit, hein? Au revoir, messieurs. Très bien, tout est en règle. Je vais donc vous faire un chèque pour bloquer définitivement l'affaire. Oh, vous savez... Mais si, mais si. 600, d'accord? 600? Oui. Ou 60, si vous préférez. Bah, je préfère 600, forcément. Et pourquoi forcément? Ça revient au même, hein? 600 000 nouveaux, 60 millions anciens, c'est pareil, non? Oui. Si vous aimez faire un chèque de 60 millions? C'est ça. La moitié de la commission. Et le reste à la livraison, le 12, à midi, au Havre. Si, pour une raison quelconque, vous n'arriviez pas, vous me rendez le chèque et je le déchire. Société? Pardon, société? Oui, société, compagnie, agence, je ne sais pas moi. Agence? Ah bah oui, ah bah alors là, agence, agence Lombard. Lombard. Bonjour, Chenet. Oh, pardon, bonjour, monsieur Nadar. Voilà. Je m'absente pour 48 heures, mais je serai au Havre le 12 à midi. Vous aussi, j'espère. Au revoir. Vous oubliez quelque chose. Ah oui, ce sont des gravures d'armes anciennes que j'ai promis de porter au golf à monsieur de Sica. Faites-lui mes amitiés. Bien sûr, bien sûr. De foot. Ouais. Monsieur Desica est sur le parcours, monsieur. Merci, merci. Un chèque de 60 millions, Madeleine? Oh, moi, monsieur, l'argent. Comme vous voulez. Le numéro d'Albert à Barcelone, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Je comprends rien. Pas fait comme moi, regarde des images. Allô? Antoine? Alors, j'ai le chèque? 60 millions? Vainqueur, ne perds pas!
Il a le chèque, 60 millions. Oh! Alors? Il m'a fait un chèque de 60 millions. Non! Et je l'ai perdu. Quoi? Je blague. Le chèque. Faut pas trop écorner le chèque quand même. Je vois Antoine avec un chèque de 60 millions qui doit se faire un mourant. Il doit dormir dessus avec son fusil. En travers de la porte. Oh la vache. Là, hein? Là. Ah ben dites, ça fait l'heure qu'il est, hein? 2 heures. Ah ben oui. Mais vous êtes sûr que c'est sur le terrain de golf qu'elle avait perdu votre chèque? Oui. Oui. Bon, bon. Moi, c'est mon alliance que j'ai perdue le lendemain de mes noces. Dans la mouchette. Vous connaissez la mouchette? Non. Hein? C'est dans la Sarthe. Connaissez la Sarthe? Non. C'est rare qu'on ne connaît pas la Sarthe. La Sarthe, c'est là qui... C'est là qu'ils font les rillettes. Où que vous êtes? Ah ben bon, ben faut le dire. Donc, pour en revenir à mes noces, je plonge dans la mouchette pour faire voir à ma petite femme chérie comment que je nage. Plaf! Je me plante dans l'avance comme une flèche dans un édredon. Je m'agrippe, je remonte sur le bord. Plus d'alliance. Alors, voilà cet abruti qui commence à m'engueuler. Oui, t'as fait exprès de la perdre pour pas qu'elle ait remarié. Maman me l'avait dit, tout ça. Enfin, des conneries, quoi. Où que vous êtes? Pas. Pour en finir, et vu qu'elle a attrapé une pneumonie, ils m'ont collé 6 mois sans sourcils. Si bien qu'au lieu de faire mon service à la caserne de Reuilly comme tout le monde, ils m'ont viré d'auteur au Bagdaf à Tizi Ouzou. Salope. Tizi Ouzou. Vous connaissez Tizi Ouzou? Non, je ne connais pas. C'est pour la Sarthe, hein? Où que vous êtes? Ah. Mais alors, le comble, 15 piges après, je replonge dans la mouchette avec ma troisième petite femme chérie, vu que c'est toujours dans la Sarthe que je vais en voyage de noces, je retrouve mon alliance d'avec la première, dites donc. C'est ce qui me fait dire que votre chèque, faut pas désespérer. Pour peu qu'il soit au sec, si ça se trouve, dans 15 ans, craque, vous refoutez le pied dessus. À moins que... Voilà, monsieur. Allô? Barcelone? Allô? Ils sont partis en courant, il n'y a pas une heure. Déjà? Oui, je crois qu'ils ont un petit problème. Et vous savez pas quand ils rentreront? Donnez-moi Paris, vite. Voilà. Allô, Antoine? Allez, écoute, non, laisse-moi parler. Mais, non, écoute-moi d'abord. Antoine, une catastrophe! Antoine! Mais pour du coup, laisse-moi parler, mon Dieu! Rends le chèque! Quoi? Rends le chèque. Les deux tiers sont en grève pour une semaine, c'est archi foutu, faut rendre le chèque! T'as compris? Je peux pas! Comment ça tu peux pas? Tu l'as pas déjà bouffé tout de même? J'ai pas bouffé, j'ai perdu! Alors il faut que la marchandise soit livrée coûte que coûte, grève ou pas! Livrée comment? On verra sur place, j'arrive! Tu viens avec Francky? Oui! Qu'est-ce qu'il dit? Il a perdu le chèque! En venant de Paris, Francky a trouvé la solution. Puisqu'il n'y a pas de bateau, faut prendre des camions. Avec 7 camions, on s'en tire. Juste. Ben, les chauffeurs? Ben, y a déjà nous 4. Mais t'es dingue! Mon permis poids lourd date du régiment. Et le mien aussi? Et le mien aussi? Mais c'est un risque à courir. Et Francky va se débrouiller pour trouver les 3 chauffeurs qui manquent. Ouais. Admettons, on risque le coup avec nos vieux permis. Mais on peut pas louer 7 camions sans verser de garantie. Ça peut s'arranger. J'ai vendu mon fusil. Et Morissette, Francine et Madeleine ont bazardé des petites bricoles à elles. Et sans chigner. Ce qui est assez curieux du reste. Tu vois? Toi qui dis toujours que les femmes, c'est rien que des salopes. Je parlais pas des nôtres! Voyons, vous avez bien signé ces engagements. L'un pour l'achat de 3 studios, l'autre pour la laverie.
Dans ces conditions, rien n'interdit aux cédants, aux vendeurs, de vous contraindre, vous, madame, à payer intégralement le prix de la laverie et vous, madame, le prix des trois studios. Mon Dieu. Vous avez été très, très imprudente. Et le chèque perdu, maître? Bien, en ce qui concerne le chèque, M. Nadar étant absent pour 48 heures, comme sa secrétaire me l'a confirmé, il est impossible d'y mettre opposition. Or, ce chèque, m'avez-vous dit, n'est même pas barré. Entre les mains d'une fripouille. Non, 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 non. Si les chauffeurs chargent leur camion eux-mêmes, les deux caisses n'ont rien à y voir. Je me demande seulement si vous trouverez des chauffeurs pour... Oh, c'est... Oh, monsieur le comte. Quelle surprise. Ma famille? Messieurs. Croisière. Pas exactement, non. Ah, excusez-moi, messieurs, mais qu'est-ce que vous faites avec cette marchandise? Pour l'instant... Un problème? Puis-je vous aider? Ça m'étonnerait, monsieur le comte. En somme, vous avez promis à Nadar de lui livrer cette malaquite. Et vous voulez tenir votre promesse. Voilà. Bon, pour les camions, je vais téléphoner à mon ami le prince Cyranos des Phosos. Il en a toujours quelques-uns d'avance. Excusez-moi. Toi, fonce chercher les trois chauffeurs et reviens ici. On te laisse un adresse où nous trouver. Ben, j'y vais. Mais ça n'a pas l'air aussi facile que je croyais, hein. Allez. Moi, je vais faire un saut à la capitainerie, on sait jamais, hein. Vous m'attendez? D'accord. Si on n'arrive pas à temps, dès que le chèque a été encaissé, comme le chèque est à son nom, c'est une catastrophe pour Antoine. Oh oui. Remarque, on l'aidera. Avec quoi, si on n'arrive pas? Ah oui, il est là. En tout cas, je connais Antoine. Pas un mot du chèque depuis son arrivée. C'est que ça doit drôlement le travailler, hein. Il est fort, hein. Moi, un coup comme ça, malade des nerfs comme je suis, je claque. Faut que tu partes en France et que tu trouves de l'argent pour l'organisation. Et un routier ici qui veut partir pour le Havre en convoi? Moi. Oh ben alors, bien vite. Nous sommes le 10, il est 13h, vous quitterez Barcelone vers 20h, vous pouvez très facilement être au Havre dans la nuit du 11 au 12, au pire, le 12 à l'aube. Formidable. Tout de même, depuis combien de temps n'avez-vous pas conduite poids lourd? J'en fuis, une vingtaine d'années. Au régiment des deuxième dragons. Ah. Voilà, alors, j'ai pu trouver ces deux-là, alors Camille et Domingo. Impossible d'en trouver un troisième. Mais on peut pas laisser un camion de malaquite ici, c'est comme si on n'emmenait rien. Faut absolument trouver un chauffeur. Une certaine baisse sur les pétroles français ainsi que sur Elfera. Par contre, tout ça, ça vaut pas les bons du trésor. Quelques points. Bon maringot pour 6 personnes, 1 kilo d'épaule de veau, 1 verre de vin blanc, 3 cuillerées à soupe d'huile. Je fais pas comme ça, moi. D'ail, 1 cuillerée à soupe de purée de tomate, 1 filet garçon. Il faut partout. Thank you.
Une lettre à la poste. Une lettre à la poste, une lettre à la poste, 4 heures de perdu, oui. Mais 4 plombes d'attente, c'est rien, ça, hein, les gars. J'en ai vu passer le week-end d'ici, moi. Et 4 heures du matin, pour être après-demain à midi au Havre, on est largement dans les temps, non? Et si les flics nous laissent conduire des poids lourds avec nos permis de mobilette, on peut même arriver en avance. Qu'est-ce qu'on transporte, juste? La malaquite. Quand t'es au volant, t'as 400 millions derrière ton dos. Hein? Je vais téléphoner ma femme. J'attends un bébé. Allô, Gomez? Je suis en France. J'ai peut-être de l'argent. Beaucoup d'argent. L'addition, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur le comte, mais nous partons. Oh, merci, Edouard. Préparez-moi mon costume pied de poule. On est en camion. On va au Havre. Oh, pardon. Mais je vous en prie, monsieur le comte, c'est tellement chic de votre part d'avoir accepté de... Oh, mais pas du tout, pas du tout. Je m'abuse beaucoup, au contraire. Muret, Hoche et Agen. Mais ça rallonge. Et bien avec les permis que vous avez, les petites routes, c'est plus long, mais c'est plus sûr. Ouais, ça c'est vrai. Je sais que tu préfères pas en parler, mais pour ton chèque, là, t'inquiète plus, ça va s'arranger. Loulou. Oui. Non, ça m'ennuie, Albert, à l'air de croire que le chèque perdu était à mon nom. Eh ben oui. Bah oui, bah oui, ben non. Il est au nom de l'agence Lombard, le chèque. C'est pas vrai. Si. Remarque, dans un sens, j'aime autant, mais il faut lui dire. Oui, j'y ai bien pensé, mais avec le nerf qu'il a. Oui, évidemment. Écoute, on lui dira que si c'est vraiment utile, voilà. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Loulou est coincé! Venez sortir le camion de là! Oh les gars, je suis coincé, je peux plus sortir! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Loulou est coincé. Où tu vas? Je vais téléphoner. Excusez-moi, je passe par là, faut aller par là. Oh, vous savez, tant que l'autoroute sera pas finie, ce sera comme ça. Pas par là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, c'est de la malachite. La quoi? De la malachite. Qu'est-ce que c'est la malachite? Ben, c'est un colorant. C'est un colorant que je prends pour les peintures. Là, il en fait beaucoup, hein. Et voilà le... Qu'est-ce qu'il voulait? Hein? J'aurais pas le coup jusqu'au bout, les gars. Mais si, oh! Mais si. Eddie, il y a le chèque. Ah oui, il y a le chèque. Le chèque, Antoine. T'imagines tout de même pas qu'on va te laisser tomber, non? Non! C'est pas parce que le chèque est à ton nom qu'on n'est pas dans le coup! Hein, Loulou? Albert! Hey. Le chèque!
Je l'ai pas fait à mon nom. Bah, au nom de qui alors? Au tien, agence Lombard. Bah, quand j'ai fait l'affaire, c'était toi le patron, c'était pas moi. Hein, loulou? Un bras cassé, un genou démis. Comment s'est-il fait ça? Avec un chèque. Oui, non, c'est... Je t'avais dit qu'il avait les nerfs fragiles. Ah oui, mais tout de même à ce point-là, hein. Des Capucines, oui. Et je connais la route. En roulant bien, Bernard devrait vous rejoindre avant minuit. J'y vais. Mais vous êtes tous là! On va vous aider! Oh. 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 Doucement! Doucement, doucement! Laissez-le, nous, on s'en charge! Tiens, merci! Il faut faire vite! Ah, vite, vite, vite! On me fait pas mal! Doucement! 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 Ah! 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 Ah, ma jambe! Ça va? Ça va, chérie, ça va. S'il a parié d'en plafonner quelqu'un, en roulant comme ça, il va forcément y arriver. Et l'avion, non? Jamais, je m'ennuie. Le bateau. En plein mois d'août, un bateau pour le Brésil. À moins que... Attendez. J'ai une bonne cabine, mais sur un cargo. Ça vous irait? Très bien. Mais départ aujourd'hui, au Havre, à midi. Eh ben, si vos valises sont faites et plein aussi, vous pouvez y être. Combien je vous dois? Ils font exprès, hein? Faut te droguer, toquin! Cela, c'est les derniers. Défense de doublé. Oh, mais, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Vous ne pourriez pas accélérer un peu? Nous sommes pressés. Qu'est-ce que j'ai dit? Accélérer. Moi, à leur place, je sais bien ce que je ferai.
qu'est-ce qu'ils font? Plus que 3 heures, les gars. Il se fait un mourant, Albert. Mets-toi à sa place. Il les trouverait où, les 60 millions? D'accord, mais maintenant qu'on y est, il devrait se détendre, non? En admettant, on l'aiderait. Alors, puisque vous dites qu'on y est, on peut peut-être vous faire la surprise. Hein, Francine? Maintenant, oui. Alors, dites-le vous. Mais en vous. Oh. Ouais, ça suffit, quoi. Quelle surprise. Eh ben, on a déjà placé tout votre argent. Placé? Où ça, placé? Morissette a signé ferme pour la laverie 32 millions et moi pour les 3 studios 36 millions. Et devant notaire, tout, hein? Alors ça, c'est une bonne idée. Mais vous êtes cinglé! Non. Vous voulez dire que tout l'argent est déjà dépensé? Pas dépensé, placé. Et si on n'y arrive pas? Ben, vous dites qu'on y est? Mais non, on n'y est pas. Il est 9h moins 5, on a 130 km à faire, nom de Dieu! Oh. Et avec nos permis pourris! Allez, au camion, vite, au camion! Vos parents sont tout à fait charmants. Je crois qu'on repart. Non, après vous. Pardon. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nos bonnes femmes ont déjà bouffé le fake. C'est la cabane si on n'arrive pas. Ah, ben ça va. Maintenant, on est tous dans le bain. Tous. Jusqu'aux yeux et pour la vie. Maintenant, au moins, on est sûr d'arriver. Pourquoi? Ah bah, parce que depuis le petit jour, et vu que j'étais seul dans le coup, ça avait pris un petit côté touriste qui m'inquiétait. Mais maintenant, ça va bomber. Vous me réveillez dès qu'on arrive. Bon voyage, monsieur. Merci. C'est pour le chargement? Non, c'est pour les permis. C'est pour les permis! Mais qu'est-ce qui se passe? Ils me disent jamais rien. Non, non. Chacun son tour, monsieur le comte. Comte de Bonfort. Oui. S'il n'y a personne, il faudrait les écraser. Combien je vous dois? 77 francs. Ah, je sais pas si je vais avoir la monnaie. Moins 20. Combien de kilomètres? 80. Force, force, on peut y être. Mais oui, mais oui.
Ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de ne pas se faire remarquer. Pourquoi qu'il veut que je le double ? Domingo, il s'est barré avec le camion. Ouais. Mais pourquoi qu'il s'arrête tout le temps? Frankie, Domingo s'est barré avec le camion. Prends la tête du convoi, file. Il doit être parti voir son bébé. 400 millions. Peut-être qu'il veut lui faire poursuivre ses études. Fonce à l'adresse que tu m'as donnée à Paris. Adios. Dis donc, on est passé à gauche tout à l'heure. Mais non, à gauche en fleur, qu'est-ce qu'on aurait été faire en fleur? Le coup. C'est marrant, j'aurais parié qu'on avait tourné à gauche. Honfleur, là c'est bien le moment d'aller Honfleur. Toi, décontracte-toi. Est-ce que je peux? Ah, mets ton clignotant à droite. Non, oh, allez, dégage, le clignotant. Il faut que je change de vitesse. Non, garde la même. Le Havre, c'est là. 3 heures de route. Le Silver venant de Casablanca est attendu à ce quai pour 15 heures. Vous devrez donc appareiller vers 14 heures. Serez-vous prêt? Si je commence avant midi, peut-être. Après,
J'ai déjà dit à monsieur Nadar, après-midi, je peux rien promettre. 300 tonnes, ça s'embarque pas comme ça. Il est 11h30, si à midi vos camions ne sont pas là, je suis désolé, mais la fitionnance devra se préparer à parier. Bien sûr. Espérons. Mais quoi qu'il en soit, s'ils arrivent, ils n'auront pas volé leur commission. Il est d'autant plus souhaitable pour eux qu'ils arrivent qu'ils en ont déjà encaissé la moitié. Ce qui ne se fait pas généralement. Ouais, surtout que 60 millions, c'est une somme. Je suis le passager pour le Brésil. Ah oui, cabine 27. Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous attendez quoi? De la malaquite, si elle arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On nous a volé un camion, c'est en le cherchant qu'on a perdu les six autres. Navré de vous le dire, mais jusqu'à nouvel ordre, vous me devez 2,5 milliards. Auquel vous ajouterez le montant du chèque que je vous ai remis et qui a été encaissé. Encaissé? On est perdu, la famille, les gosses, tout. C'est aussi mon avis. Antoine, les voilà! Oh mais, c'est pas trop tôt! Oh! Le chèque! C'est lui! Le loup! Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que maman, elle est malade, monsieur. Puis mon petit frère, il va pas bien non plus, alors... Ça va, je connais. Ah, oh, bah...